Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Drian. Comme vous le savez, j'ai le code créateur. Le code créateur MasterDridri. Si vous voulez me soutenir, il suffira de le taper dans la boutique de Fortnite et d'acheter donc des items de la boutique via des V-Bucks que vous avez gagnés ou que vous avez acheté vous-même. Si vous voulez bien sûr encore plus me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, ciao ciao Mina. Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Drianen, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Il y en a encore d'autres vidéos que j'ai en stock que je vous ai pas sorties, mais ça viendra au fur et à mesure. Là, je viens tout juste de prendre le pass des Tortues Ninja où on obtient directement le premier skin, une des variantes de Shredder. Et... donc ça, c'est le skin de Shredder du dessin animé. Pour ceux qui ont connu à l'époque, eh ben c'est complètement celui-là. J'attendais au moins juste de débloquer quelques petites quêtes pour avoir son petit donc sac à dos qui est sa cape. Tout ce qu'il fallait pour lui, avant de le jouer. Donc là, on se fait notre première petite game avec. Parce que vous savez qu'à la base, donc sa cape, c'est son sac à dos. Et sa pioche... c'est uniquement, bien sûr, ses griffes. Ok. Ouh, ça c'est pas mal. Ok. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Ouais, on va prendre la popo. Il faudrait trouver des petites popos avant, ce serait bien. Ce serait déjà un petit peu le must pour avant de commencer de faire la grosse. Ah, je crois que j'allais dire Oscar m'a pas vu ici. Si, Oscar m'a vu. Histoire d'un petit, de faire un petit peu de dégâts à Oscar. Lui tirer dans la tête le temps qu'il est en train de déguiser sa lame. Hein. Ok, Oscar, ça va, il est pas très très chiant à affronter. On va le terminer à ça. Voilà. On va prendre au moins ça, ça et ça. Nickel. Donc là, on est bon. On est très très bon. Il y a quelqu'un qui est en train de faire l'abruti avec une pioche. Ça, c'est un bot qui doit bugger. C'est un bot qui bug. Ok. S'il tire toujours les bots, c'est qu'il y a un ennemi, je suis en train de me dire. Ouais, ils ont détecté quelqu'un. Bon, on va y aller. Ah, il est en face, il est en face. Ok. On va l'avoir. Voilà, ça dégage comme ça. On lui prend l'arme en bleu, donc c'est cool, il avait une bonne arme lui au moins. On fait ça. On recharge devant lui, on s'en fout, on le dégomme. On le dégomme. On le dégomme. Ils vont me faire utiliser des munitions, ces petits cons. On va utiliser la petite. Voilà. C'est qui vient? C'est un bot. Ok. Ah, voilà. J'avais vu des tirs, des petits points rouges qui apparaissaient. Donc, il y a des gens qui se fightent. Ok, je le touche pas. Par contre, la witch. Par contre, ouais, je tire dans les pneus. Vaut mieux tirer dans les pneus, on sait jamais. Voilà. Comme ça, au moins, ils pourront pas s'enfuir avec la bagnole. Au pire desquels, le temps qu'ils s'enfuient, j'aurai le temps de tuer le John Cena. Je crois que c'est un John Cena. Ouais, c'est John Cena. Et ouais, mon John Cena. Va falloir mieux t'améliorer, hein. On prend la popo là. Et je pense qu'on peut commencer. Enfin, plutôt continuer à avancer.
Ah oui, ils ont intégré les armes de Tortue Ninja. On va prendre celle de mon préféré, Michelangelo. Le mangeur de pizza. Voilà. C'est tout à fait moi, ça. Le petit bouffeur de pizza. Ce qu'on peut faire si le portail il est ouvert. Donc oui, on peut s'en aller. On s'en va. Et on va du côté de la gare parce que c'est souvent quand on fait ça, ce passage-là, qu'on passe du côté de la gare, il peut y avoir des ennemis. Pas tout le temps, hein. Mais de temps en temps, on t'a deux, trois petits pignoufs qui trimballent et qui se disent « Oh bah j'aime bien aller à la gare. » Ok. Je vous avais dit qu'il y avait un pignouf. Et il y en a un là-bas au fond. Ok, c'est pas avec un sniper avec quoi il tire. C'est pas, ouais, c'est pas un sniper avec ce qu'il tient. C'est peut-être même pas le vrai joueur. Non, le vrai joueur... Ah bah si. Si, si. Ou sa mère. Ou sa mère, sa mère, sa mère. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sur le toit. Je sais pas où il est. Attends, c'est moi ou c'est une... J'allais dire, on aurait dit une banane de loin. Une banane bleue, mais c'est pas une banane bleue. Est-ce qu'on lui fonce dessus et qu'on le marave avec l'arme de Tortue Ninja? Ou le pompe? Ouh, ouh, ça fait mal. On va pas se mentir, il a fait mal. On se soigne avant, en bouclier, et ensuite, on se mettra les PV. Yeah, c'est bon. L'île est apparue, on va faire la capture du drapeau. Comme d'hab, la peur du temps, s'il n'y a pas de fight, je vous ferai une ellipse. On a essayé de me tirer dessus, il y a peut-être quelqu'un qui viendra. Ou peut-être pas, mais on commence la capture. Allez, voilà. Pas mal. Fusil d'assaut exécuteur. Non, je préfère franchement celui que j'ai. Bon. Allez, on s'en va. Et encore là, j'ai pas débloqué le planeur Tortue Ninja. Parce que dans le Battle Pass, version gratuite, hein, payant c'est Shredder. Tout ce qu'il y a Shredder. Et gratuit, bien sûr, c'est tout ce qui est lié par rapport au... Tu peux avoir les émotes de Tortue Ninja. Le planeur des Tortues Ninja. Leur montgolfière. Ah si, il y a le sac à dos de Krang. Qui est gratuit. Voilà. Toi, tu dégages. T'as à peine fini ton fight que je t'ai déglingué ta mère. Voilà. Ah, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. On va aller chercher tous les emblèmes. On veut les emblèmes. On veut tous les emblèmes. Laisse-moi prendre mes emblèmes. Merci. Je crois que j'ai actuellement 4 emblèmes. Je suis méga renforcé. Si je perds... Ah bah il est mort. Il est là-bas si je lui vise bien. Voilà, c'est fini. Allez, plus qu'un maintenant. Y'a personne ? Ah si, j'entends des bruits de pas, Oh, ça sent le top, hein. Il a pas l'air d'être doué, donc c'est bon, il a l'air d'être pas... Ouais, il est pas doué. On peut le terminer avec l'arme des Tortues Ninja. Allez, finish Tortue Ninja. Finish Tortue Ninja, Kowabunga. Et ouais, hein, tu peux rien contre Shredder. Et voilà. Moi, bon, bah franchement, victoire royale couronnée, c'est... Franchement, ça... Cette game n'a pas été compliquée, ça a été très très cool. Donc franchement, petit top 1 qui fait plaisir. And they stay there.